Alors voilà, on vient de voir Black Panther 2 tous ensemble dans la séance privée. C'était vraiment sympa. Ou alors, ou pas. On va voir un peu ce que mes amigos en ont pensé. Je suis avec mon frère Smaël et mon autre frère Yves, The Brother from Another the Mother. Et voilà, avis à chaud. Je vais commencer directement comme ça, c'est good. L'avis à chaud, c'est que j'ai trouvé le film sympa. Il m'a beaucoup galvanisé dans la première moitié. Et après, il a fait que descendre pour moi, malheureusement. Mais ça restait quand même un bon film. C'est-à-dire que pendant qu'il descendait, il était quand même au-dessus des quelques merdes que le MCU a sorti ces temps-ci, dont She-Hulk. Donc du coup, voilà. Mon avis général, c'est qu'en fait, j'ai un sentiment d'avoir kiffé quelque chose, mais qu'on ne m'a pas donné assez. Pas par rapport à ce que j'attendais, mais plutôt par rapport à ce qu'il m'a promis au début de film. On est plus là-dedans. Ouais, je suis sur la même vague. C'est un très bon film, très bonne entrée en matière. Et puis ça stagne. Et voilà, comme l'intro est si bonne, on continue à surfer jusqu'à la fin. On se laisse emporter sans bâcher, mais sans vraiment kiffer. Et il n'y a plus de moments vraiment poignants jusqu'à la fin du film. Okay. Même chose. Le film est bien. Je suis ressorti de là en me disant que le film était bien. J'ai aussi le problème de me dire que j'ai sûrement redescendu mes standards par rapport à ce que le MCU a proposé ces derniers temps. Mais le film est bien. Je trouve que la réécriture avec la mort de Chadwick Boseman est bien pensée. Mais les effets spéciaux et les combats, c'est non. C'est vraiment non. Ouais. Je pense que là, on peut dans un truc sans spoil, on n'a pas besoin de dire plus que ça, à part des notes. Tu mettrais comme quelles notes? Même si, attention, avant de dire des notes, c'est des notes à chaud sur le moment et ouais. Ne pas comparer avec les autres films du MCU parce que c'est toujours une réaction sur le moment même. Ouais. Et donc, c'est différent d'un truc vraiment où tu peux regarder tout l'ensemble. Là, c'est vraiment à chaud. Si on compare à une chose, on va dire à Black Panther 1, je dirais qu'il a un plus gros potentiel que le 1, parce que le 1, tu bénéficies de l'entrée en matière. Et si au 1, parce que grosse sortie, mouvement, là, on lui donne un beau 8, c'est difficile de lui donner alors moins qu'au 1. Parce que je trouve qu'il fait quelque chose de très fort pour un 2, mais en vrai, je lui donne un 6,5. Ok. En vrai. Mais je trouve que sans Chadwick, il arrive quand même à apporter quelque chose de frais pour suivre ce que le 1 a apporté. Et après tout ce que la merde de Marvel a proposé jusqu'à maintenant. Mais si je suis honnête avec moi-même, bah ouais, à la fin, c'est pas que c'est mauvais, mais ouais, ça se rapproche du 7, mais... Mais c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et en fait, je vais dire 7. 7. Difficile. Mm-hmm. 7. Mais 7. Pareil, je mettrais un 7. En fait, pourquoi je mets un 7 aussi? Parce que, ben, j'ai pas envie de mettre moins, alors qu'en réalité, j'aimerais quand même mettre moins. Je mets 7 parce que c'est par rapport à... En fait, il y a plein de points positifs. Ils sont vraiment... Il y en a vraiment énormément. Les positifs sont vraiment positifs. On aurait pu être à un 9 et ça fait que descendre, en fait. C'est ça, en fait. C'est ça. En fait, pour moi, jusqu'à la moitié, c'est un 9. Et après, tu commences... Puis tu redescends et à un moment, tu remontes pour une scène précise qu'on dira après. Et puis tu redescends et c'est casse-couille parce que ben, on n'a pas la possibilité de pouvoir dire à la fin... En fait, le film se termine et tu ne peux pas dire « putain, enfin ». Là, en fait, tu dis juste « putain, presque ». Et c'est dommage parce qu'il n'y a jamais de chute libre quand ça descend. Ouais, c'est ça. Doucement, ça meurt. Ouais, voilà. Et oui, parce qu'en termes de bonne idée, dans la recherche, en fait, si tu prends ce film-là et t'en fais la recette pour faire tous les autres films du MCU, ça peut que être bien. Parce que tu sens que c'est autre chose que ce que le MCU propose, que ce soit en termes de recherche, costume, musique, tout en fait. Ce que Black Panther 1 nous avait apporté. Et pour moi, en fait, Black Panther 1 et Black Panther 2, c'est le même genre de film. Dans quasiment tous ses aspects. C'est juste qu'à l'époque, c'était frais parce que c'était nouveau. Et là, maintenant, ça ne l'est plus. Et donc, je pense que c'est ça aussi. Ouais. Je pense que ce film sort à la place du Black Panther 1. On va peut-être le ressentir incroyable parce que tu as tout le... Tu es au milieu du MCU, malgré le Paris sans le Chadwick, voilà, et tout ça. Hein. Mais c'est ça, mais on parle de ça après. Ok, ça va. Faisons ça. Alors là, c'était la partie 777. Sans spoil. Maintenant, 777. Donc voilà, c'est jackpot. Maintenant, on va passer à la partie spoil. Alors, pour continuer sur ton argument, je pense
si ça s'était sorti à la place, non. Parce que le moment où Black Panther arrive dans le premier et quand il revient, oui. Quand il revient, parce qu'il y a lui, puis il y a l'autre, puis il y a, enfin tu vois, il y a la première fois qu'il le porte parce qu'ils ont la première mission, puis après il doit défendre son statut, puis après il le perd, l'autre arrive. À chaque fois que quelqu'un revêtit le costume, c'est high. Quand elle arrive, tu dis yes, et puis quand, c'est un beau costume. Quand, voilà. Et puis quand elle doit faire quelque chose avec, ouais, parce et que, c'est, ouais, c'est Black Panther. Et du coup, en fait, pour moi, le film, c'est Black Panther, tu vois ce que je veux dire? C'est bête, hein. Ouais. C'est bête, hein. Mais pour moi, si jusqu'à la fin. Ça ressemble un peu à, tu vois, par exemple, Iron Man 3. Mm-hmm. Dans Iron Man 3, il y avait aussi ce truc de c'est Iron Man, mais en vrai, il n'a jamais le costume tout du long parce qu'il y a toute une histoire un peu de tourmente et tout pour en arriver là. Traumatisé. Donc, est-ce que ça me gêne, ça, on va dire, un petit peu, parce qu'il y a vraiment ce truc que j'ai envie de voir au Black Panther. Ça m'aurait pas gêné si au moment où elle arrive au Black Panther, il y a vraiment un truc de waouh, le protecteur du Wakanda est là. Ils disent ça en plus, ils disent maintenant qu'elle est là, c'est puissant. Et puis ils ont toute une fight qu'ils perdent. Ouais. Ils perdent ouais, déjà. Mais tu vois, quand elle met même quand elle met la pêche dans le mannequin là, qui s'envole, il n'y a plus eu. En fait, exactement, une fois, elle a fait si un truc. Si elle avait dit waouh, wow. On aurait dit oui. Ouais, ouais, parce que là, c'est, le problème, c'est pas que ça soit Shuri, le problème, rien de tout ça. Le problème, c'est l'impact qu'on donne. C'est-à-dire les combats, en termes de bruitage, en termes d'impact, en termes dans la manière dont c'est filmé et tout, on a ressenti trois impacts. Le premier, quand elle met le coup dans le mannequin. Le deuxième, quand Namor l'éclate au sol. Le troisième, quand Namor l'éclate contre la roche. En fait, là, tu ressens le Eternals qui, en fait, tu voyais les combats et tu te disais, oh putain, c'est des monstres, ces mecs-là. Le boum, boum, boum. Ok, c'est stylé. Mais là, tout le reste, par exemple, le combat sur le paquebot, c'est une catastrophe. Le combat final, de toute façon, comme dans le premier, pour moi, ça reste une catastrophe. Dans le premier, c'était la même chose. Et voilà, il y a ces problématiques-là qui font que tu arrives et tu dis, bah, c'est dommage parce qu'en fait, il y avait moyen de faire un peu plus. Et c'est là que tu dis, bah, en fait, un réalisateur, ça peut aussi avoir ses propres limites. Tu es super bon pour filmer, pour rechercher, pour toutes ces choses-là. Tu as besoin de quelqu'un qui soit bon pour pouvoir mettre en avant les combats. Et genre, lui, comme un Rousseau, quoi. Comme le Black Panther de Civil War. On a toujours pas eu ça. Il a vraiment rendu service à Shuri pour son arc, comment elle a grandi. Parce qu'au final, c'est dur de mettre ce côté vengeance dans ce scénario-là. Mmh. Parce que Namor, en soi, c'est, dans le film-là, il apparaît pas vraiment comme un gros méchant. Bah oui, il y a la mort de sa mère, mais en fait, il l'a pas tué comme un connard. Tu vois. Voilà, c'est ça. Il est là, il a dit, moi, je veux défendre mes gens et tout. Quand il arrive, c'est pas genre il étrangle la madre. Non, elle est remontée, la meuf, elle avait pas de souffle. Elle est à Wakanda dans son truc, elle a pas de... Tu vois, c'est un peu... C'est deux nations qui ont été colonisées, qui s'occupaient à s'entretuer. Exactement. Parce qu'ils veulent chacun se protéger. Ouais, voilà, c'est ça. Ils veulent chacun se protéger. Pour moi, c'est comme des embrouilles entre deux quartiers. Ouais, il y a les seuls gagnants, c'est les l'État. Gens autour, c'est les gens autour qui filment. Ouais. Ils sont en train de piller le vibranium derrière, là. Ouais, quand tu viens vous battre. Exactement, ils sont build-up jusqu'au moment où elle arrive, en fait, dans ce truc de vengeance et elle rencontre Killmonger. Mmh. C'est un moment. Ça, pour moi, c'est moment. C'est le meilleur moment. On va pas voir T'Challa, on va pas essayer de retrouver des footage pour ramener le fucking hater. C'est incroyable. C'est high, mais de nouveau, cet impact-là, il s'est pas ressenti quand après. Ouais, parce qu'on est remonté elle choisit le masque de Killmonger. On est à fond dedans, c'est doré. Tu penses qu'elle va être en mode haine, rage. Elle tue même pas les ouais, elle tue personne. Ouais, tue personne. Ça aurait été bien qu'elle en tue 3-4 avec les toits. Elle enlève son masque, elle montre qu'elle a la haine. C'est ça le problématique. Pour vous montrer un moment, c'est ça aussi pour moi qui est problématique dans ce genre de film un peu trop édulcoré. À un moment, quand tous les Wakandais tombent dans l'eau, tu vois les mecs, allez, je vais dire les Atlantes parce que je sais plus c'est quoi le nom du truc. Les Atlantes en train de les tuer et puis t'as une vue. Il n'y a pas de sang. T'as une vue d'au-dessus. T'as une vue d'au-dessus du. Et t'as pas de sang dans l'eau. Pire que ça. T'as pas de sang dans l'eau. Namor, il a fait quoi à Shuri? Ouais, il lui a mis la lance. Oui, oui. Et quand on l'a enlevé? Ouais, il n'y avait pas de sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Mais... Merci Disney. Oh ouais. C'est ça. Mais à la limite, avec la lance, tu dis encore. La scène, moi, mais la scène, là, c'était trop. C'est quand avec l'ombre. Elle aurait pu au moins être rouge. Non, bien sûr. Je ne veux pas qu'elle crache. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est vraiment le moment où ils sont dans l'eau. Parce qu'en fait, c'est ça. Il a filmé ça comme une scène d'attaque de requin. Ils ont peut-être le sang bleu. Mais non, parce que les Wakandais, non. C'est les Wakandais qui ramassent. C'est les Wakandais qui ramassent. Et en fait, dans ce truc-là, j'étais en mode, t'as filmé ça comme une scène de requins qui sont occupés à bouffer les gens. Et en fait, il n'y a pas de sang. Donc, il n'y a aucun impact. Et donc, dans ce genre de truc, t'es là, tu me dis juste, voilà, on a envie de faire quelque chose. Ça, on n'a pas la possibilité parce que c'est édulcoré. Mais voilà, après, juste pour terminer sur ce truc de Black Panther, entre guillemets, du personnage, j'aurais préféré que le film se termine sans Black Panther. Que, en fait, il n'y a pas de nouveau Black Panther. Et maintenant, il faut faire autrement. Et imaginons que les deux peuples s'allient et qu'en fait, Namor
est un peu le nouveau ambassadeur du vibranium. Ouais, tu vois, parce que moi après, je présente un nouveau Black Panther en fait. Mais après, si tu vois dans le truc, qui peut prendre Namor si ce n'est Black Panther? Ouais, mais là, il l'a pas pris, voilà. C'est ça le problème. C'est là où je veux dire, là, dans l'histoire, on nous fait croire que Black Panther, elle le tape. Oui, voilà, alors que non. Ouais, mais je veux dire, qui peut le taper si tu rajoutes pas le Black Panther dans l'histoire? Ah, mais parce que là, il a dit un truc super simple, il a dit, je suis mutant. Le gars a pas réussi à créer cette puissance dans le combat. Ouais, bien sûr, bien sûr. Black Panther représente ses défenseurs. Mais pour moi, un mec comme Namor, c'est pour moi, c'est ça que devrait être le nouveau MCU. En gros, maintenant, on vous ramène les mutants. On part dans un nouveau level de puissance, ouais. Tu vois. Et en fait, pour moi, c'est Namor, on ne peut pas le taper maintenant. Mais surtout, il faut ramener d'autres têtes. Ouais. Et il y a toute cette sorte de mutants qui arrivent, les X-Men, les 4 Fantastiques. Donc, tu arrives dans une nouvelle sorte de puissance. Et là, ça pouvait être intéressant. Après, voilà, on va dire que là, on s'est un peu... On a parlé des points négatifs qui sont en soi les effets visuels dans les combats, les chorégraphies de combat. Par contre, les chorégraphies de combat de Namor qui est dans les airs et qui va pour taper des choses, ouais, des trucs et tout, ça reste quand même mais pas assez. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est toujours la même chose qu'il fait. Ouais. Oui, oui. En fait, il saute et puis voilà, c'est tout. La première fois, ça a un impact parce qu'on ne le voit pas, c'est la nuit. Voilà. La deuxième fois, c'est plus ou moins ça aussi. Et puis, il y a cette fois-là où l'attaque du Wakanda. Cool. Et après, ils font la même. Exactement. En fait, on n'a pas vu une palette de pouvoir chez Namor. Exactement. Qui permet, exactement, en fait, dans le temps, de se dire, il est intéressant. Ouais. Non, parce qu'à la fin, c'est encore Namor, puis c'est encore Namor. C'est pour ça, en fait, que je me suis endormi hier, parce que j'ai déjà vu le film. C'est que tout était intéressant jusqu'à la moitié, mais en fait, tu nous as ramené Namor en bas. Le gars, il est sympa, il veut défendre ses gens. Et en fait, c'est pas cool de le mettre dans l'embarras ou de mettre Wakanda dans l'embarras. Il aurait fallu ou un autre élément, ce qui aurait pu être la rage de Shuri, ce qui peut être la mort de sa mère d'une autre manière, mais qu'en fait, elle parte en couille. Rogue, comme on dit. Alors elle part seule même, elle part seule. Il aurait pu se barrer. Et ça, il n'y a pas eu. Il aurait été bien que, pour pas ce côté... Tu vois, de ce ballon qui se dégonfle comme ça, tu vois, à la fin, elle tape un face avec lui. Alors qu'elle veut le tuer, genre, elle garde ce truc de Killmonger, tu vois, alors qu'elle veut le tuer, il arrive à s'en sortir et il se barre dans l'eau, tu vois, en mode c'est pas fini ce conflit, tu vois. Ouais, en fait, c'est pas voilà. Ce côté, tu dois absolument régler le conflit là. Exactement. Et on le règle à la Disney, tu vois. Ouais, mais après, c'est ça. Il y a eu plusieurs moments comme ça dans le film où ils ont réglé très vite. Le premier, c'est quand elle doit créer la fleur. Elle n'a jamais réussi, même quand elle avait le bracelet, c'était toujours tout rouge, tout rouge, tout rouge. Et puis, de nulle part, sans explication, c'est ouvert. Non. Parce que c'est exactement la scène de début où ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est juste parce que ça ne marche pas. Et là, maintenant, c'est rouge, 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 vert, sans explication. Et la même chose avec Namor. Elle se bat, elle se bat, elle se bat, rage, rage, rage. Puis, de nulle part, tu vois ouais, ta mère. C'est ça. C'est ça. Il faut que quelque chose se passe en écriture, c'est une erreur. Il n'y a pas eu d'élément déclencheur. Et c'est chiant. Et quand il dit sans explication, ça ne veut pas dire « Ah oui, c'était le bracelet », c'est pas ça. Parce que oui, c'est le bracelet, ça vient du bracelet parce que ça vient de la fleur intel. C'est plus que explique. Fleur et l'autre peut-être aux voilà, voilà. Entre voilà. Les deux, tu dis « cherche le lien » et en fait, c'est tu laisses Google en fait. Ouais, et après, tu cherches comment je fais. Voilà. Et surtout comme elle a son Jarvis, ouais. Et que le gars, il parle et puis il s'éteint. Là, il arrête. Tout d'un coup, il dit rien. Et à chaque fois, il expliquait pourquoi ça marchait, même au début quand il dit « Ouais, on va l'imprimer, mais ça ne va pas fonctionner. » Et là, c'est « Voilà, 98%. » Il y a deux trucs que je voulais dire. Il y a un truc que je me souviens, c'est je ne comprends pas pourquoi dans les films, quand ils se battent contre des personnages qui viennent de l'eau, je ne comprends pas comment ils peuvent se dire qu'ils ont terminé leur combat en mettant un shot à un personnage qui vit dans l'eau et qui tombe dans l'eau. Je ne comprends pas. C'est tout. Et quoi? C'est quoi? On dirait, tu vois, les anciens Batman, là, quand le requin tombe dans l'eau, il explose. Non, tu mets un shot à quelqu'un qui tombe dans l'eau, attends, qui vit dans l'eau. Encore plus con, encore plus con, parce que ça, à la limite, c'est le terrien qui ne comprend pas. Mais toi, qui vis dans l'eau? Tu pousses quelqu'un du pont qui tombe dans l'eau et tu ne l'achèves pas. Tu sais, tu es trop con pour te rappeler qu'en fait, tu ne meurs pas. En fait. C'est ce genre de truc où... Disney. Dans la Rider's Room, comment vous n'êtes pas en train de vous dire... Tu vois, quand tu l'emmènes dans l'eau, là, on l'emmène au plus profond. Le gars, il commence à s'étouffer. Cette scène, juste une fois, parce qu'au début, c'est hyper impressionnant quand ils viennent ou que les orques les ramènent et tout. Juste donne-moi une fois la scène où tu descends quelqu'un jusqu'au plus profond de l'océan et tu et le vois. Et on voit ce moment de. Dans les de, yeux qui sont plus de moins en moins de sons. Mais Disney. Tu vois ce truc de. Il y a de moins en moins de sons et puis il est tout seul. Dans le noir, dans le noir comme ça. C'est tout. Tu vois, c'est. Mais attends, il y avait ça. Moi, j'ai trouvé le Wakanda moins vrai. J'ai trouvé le Wakanda moins vrai. J'ai juste l'impression de. Tu sais, quand tu vois, par exemple, dans un. On avait fait ça quand on est parti en Égypte. Il y a
les Bédouins, ils ont leur vie dans un village qui est à eux, mais ils te créent un faux village à l'entrée pour les touristes. Et ben là, l'endroit où ils sont, qui se font attaquer là, avec l'eau et tout, j'ai eu cette impression là, c'est le truc pour les touristes. Ouais. En fait, ils viennent de détruire l'endroit pour les touristes, tu vois. Ouais, donc puis, on s'en bat les steaks en fait. Ouais, je veux dire, c'est l'endroit des touristes, l'arène. Je suis d'accord. Après, je pense que c'est. Il y a moyen de donner cette prestance Wakanda. Ouais. Dans cette ville. Mais je trouve que dans le premier, il y avait un côté fou, un côté. Bah oui, parce qu'on voyait les trains passer, tu vois, le truc. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Mais ça, c'est le problème. Le pire, c'est quand Shuri elle arrive, elle sauve une sorte de petit bus à 2 balles pour essayer de donner ce truc de on est dans une grande ville. Mais attends, t'as oublié le 1. Ouais, t'as sauvé un bus. Tu voyais des trucs de ouf. Ouais, mais en plus, t'as sauvé un bus, quoi. Pour moi, si c'était c'est juste. C'est bon, t'as sauvé un bus, t'as sauvé 3 personnes pendant que. Pour moi, si l'autre était en train de se noyer. Pour moi, si c'était juste un an après, j'aurais dit ok, c'est à cause de la bataille de Endgame et tout ça, ok. Mais de Infinity War, tout ça, enfin soit. Et non, parce que tu nous dis que ça fait 6 ans. Tu nous dis que l'autre, elle est partie pendant 6 ans. D'ailleurs, à chaque fois, justifier que cette actrice n'est pas dans certains films en disant « Ah, t'étais partie », parce qu'elle n'était pas dans Infinity War Endgame. Donc, on ne sait pas où elle mais était. Tu sais que je ne savais pas qu'elle était partie jusqu'à ce que là, ils en parlent. Oui, mais non, j'ai dit, elle n'était pas là, tu vois. Et puis, le truc du fils aussi, catastrophique. Hein, mais j'ai même pas envie, c'est de la merde. La musique était bien. La musique était très bien. Toute la première moitié, le deuil, tout ça. Artistiquement, la ville de... C'était quoi encore la ville de Kukulkan? La ville de Kukulkan. Ouais. Ouais, je sais plus, j'ai vu. D'ailleurs, excellent du parler du serpent à fleurs parce que c'est très Quetzalcoatl, le dieu chez les. Je sais, pour pas dire de bêtises, je crois que c'est Maya, Inca, enfin peu importe, je sais pas, mais ça, c'est lié à ils ça. Le disent dans le film, et voilà, et donc t'as ce truc là, t'as cet aspect de, on reprend vraiment comme ils ont avec le Wakanda. Sûrement qu'ils ont même essayé d'inventer une langue comme ils font avec le Wakanda parce que c'est, je pense, c'est difficile d'avoir la vraie langue de l'époque. Donc la recherche sera toujours aussi incroyable parce qu'en fait, ils prennent vraiment leur sujet à cœur parce qu'un réalisateur prend un seul film et qu'il veut montrer ce qu'il sait faire. Sauf que ce n'est pas un reportage. Exactement. Du coup, tu es dans un film de super-héros. Film de super-héros, les moments qui doivent être impactants, c'est les combats. Ouais. Je m'en fous. Il y a 2 choses. Les combats. Il y a les combats. Et le deuxième truc qui est important pour moi, c'est comme dans un manga. C'est-à-dire, quand le héros est déchu, quand le héros remonte, quand le héros en a, ces moments où en fait c'est les moments où tu dois galvaniser ton public pour qu'il soit derrière toi et qu'il crie avec toi. Et là le problème, c'est qu'en fait on en a fait un peu trop parce qu'en réalité quand elle sort, quand elle voit Killmonger, tout est avec elle parce que tu partages un peu ce truc de ok on en a marre d'être gentil avec tout le monde, on va taper face. Donc déjà c'est avec la prestance de Killmonger incroyable. Donc t'es là, t'es en mode avec elle. Puis elle est énervée, elle frappe le mannequin, t'es avec elle. Tu refais l'entrée quand elle arrive avec tous les villages qui sont là, les chefs de village, ça ne fonctionne pas. Non. C'est pas là qu'elle doit tomber. Elle doit tomber pendant la bataille. Pendant la bataille, elle arrive au-dessus et boum, Black Panther est venu. Et là, on a un truc intéressant. Donc, on a le problème de tous ces mini-climax qui font que même un climax final n'est pas OK. Tu vois, on fait message au réalisateur. On ne fait pas de slow motion quand les FX sont nuls. Ça se voit un peu trop. Deuxième chose, quand on ne sait pas faire des effets spéciaux dans la lumière, dans le jour, on fait des combats la nuit. Parce que là, le face sur le bateau, c'est... Non, frère. Non, même le face final. Non, dans les saltos, ça se voit presque. C'est dommage parce que dommage. On dirait presque que ce n'est pas des vrais humains qui font des saltos. Et c'est ça qui est dommage, en fait. On a le personnage qui doit se mettre en boule pour faire un salto. Si le personnage fait un salto, il est quasiment comme ça, c'est que ça se voit qu'il est bloqué, c'est en 3D, tu vois. Mais par contre, Shuri, c'est non. Ouais, quand je dis Shuri, c'est non, c'est pas une meuf ou pas, je m'en fous, c'est juste que là ça marche pas. Ouais, par exemple, moi, si elle s'arrêtait l'autre meuf. Et attends 2 secondes, à la fin, on est d'accord que maintenant elle est reine, on va dire. On ne sait pas encore, je l'appelle encore princesse, mais en gros, à la fin, elle est censée taper un face contre M'Baku pour savoir qui va truc. Il faut se dire les choses comme elles sont. Si cette meuf perd le pouvoir du Black Panther au moment du truc, tape un face contre M'Baku, si tu me l'as fait gagner, c'est bon. Je te gifle. C'est bon, tiens. Qui aurait dû être pour moi Black Panther? Si on veut surfer sur cette vague, pour moi, ça aurait dû être son ex, là. C'est la qui ouais, c'est vrai. Parce qu'elle savait se battre réellement. C'est pas possible parce que c'est la lignée familiale. Oui, mais c'est ça qui est dommage. Voilà. C'est ça qui est dommage. Mais tu peux demander le face. Ouais. Mais elle ne demandera jamais le face. Du coup, c'est High comme Baku. Mais Shuri aurait dû refuser. En disant c'est elle qui mérite. Mais ça marche pas. Mais parce c'est que dommage. Tu peux pas le faire. Ouais. Par contre, le truc de M'Baku qui dit hey, petite, je te respecte, parce que c'est aussi High, hein, parce que ils ont la conversation et elle dit ouais, mais c'est quoi ton intérêt? Il fait ouais, tu vas gagner. Elle dit tu vas gagner en
politiquement, c'est intéressant pour toi si tu viens garder tout le monde chez toi, parce que tu leur donnes refuge à toute la nation. Et donc, elle rappelle que même s'il est devenu gentil, il a quand même un intérêt politique là-dedans. Ouais. Et c'est pour ça qu'à la fin, il dit « Moi, je veux devenir Black Panther. » Mais du coup, ça, c'est high. Mais du coup, j'aurais aimé le voir. Black Panther, ouais, là, j'aurais aimé le voir. Ouais, ça aurait été incroyable. Après, mais j'aurais avec une armure gorille. Il y a tout un, pour moi, il y a tout un système comme ça qui… voilà, il y a des trucs qui fonctionnent, il y a d'autres qui fonctionnent moins bien. Pour dire, on n'a pas parlé d'elle, mais parce que justement, elle est là, elle n'est pas là, c'est la même. C'est la Okoye. Ah, Ironheart, ouais, c'est vrai. Ironheart, le seul truc, c'est certes, elle est là, elle n'est pas là, c'est pareil. Après, je pense qu'on ne pouvait pas l'introduire d'une meilleure manière, parce que je pense que le personnage, en réalité, n'est pas assez intéressant, ou alors c'est une série. Ouais, et merci, je veux pas de série. Ouais, ouais. Quand je dis qu'elle est là, elle n'est pas là, c'est pareil. Oui. C'est un peu, j'aime bien qu'elle soit là. Ouais. Tu vois, le côté un peu comique et tout, j'aime bien qu'elle soit là. Je trouve qu'ils ne l'ont pas mal introduite, mais c'était juste que… Ouais, on s'en bat les couilles. Tu vois, vraiment, ça m'a fait niche. Oui, voilà, c'est ça. Mais moi, je préfère, en voyant ce que fait Marvel aujourd'hui, je préfère qu'on me la mette là que dans une série. Parce qu'en fait, j'en aurais rien à foutre d'elle, comme j'en ai rien à foutre de Miss Marvel ou de Hulk, ou d'autres personnages. Elle n'a pas dérangé le film, elle n'a pas eu trop de place. Quelque part, tant mieux. Oh ouais. Ça reste donc une, entre guillemets, petite mauvaise note, parce qu'elle n'a pas d'impact, mais c'est quand même nécessaire pour la MCU. Voilà. Mais à titre d'exemple, regardez Black Adam. Regardez la meuf avec les tornades, c'est comme ça qu'on a introduit un personnage un peu plus jeune, qui n'a pas la même expérience que les autres, et qui n'a pas trop de place, mais qui en a assez pour qu'on puisse s'attacher au personnage, mais sans non plus, puisque ça, on n'a pas besoin de background, on s'en fout de sa vie, mais par contre, on s'attache à un personnage comme le gamin qui est avec elle, hein, que ce soit femme ou homme, peu importe, le gars qui est avec elle, qui a le costume de Deadpool là, Atom Smasher, non, c'est le même système. Il ressemble à l'autre là. À Twice de My Hero Academia. Ouais. Ben, en gros, ces deux-là, c'est le même système, tu ramènes des jeunes personnages. Des jeunes qui arrivent dans un système où ils sont fans de tout le monde. Ne les fais pas trop parler. Et Marvel, arrêtez avec votre humour à référence pour tous les jeunes. Et oh, c'est comme dans Star Wars, c'est comme dans Indiana Jones. Arrêtez. Ouais, que genre arrêtez. Le seul humour, des le seul jeunes, humour c'est possible, c'est de parler des autres licences qu'on a en notre possession chez Disney. Arrêtez, vous casser les couilles avec mais ça. Par contre, il y a un truc qui me rend fou, moi, maintenant. Moi, ils m'ont perdu, hein, comme vous savez. Marvel, le MCU, ils m'ont perdu. Ah, pareil. Mmh. Et lui, c'est un gars qui a quand même de l'espoir jusque très longtemps après. Ouais, mais là, j'ai perdu. She-Hulk m'a totalement terminé. Là, vraiment, moi, ce qui me rend fou encore plus que ça, c'est que il y a plus aucune connexion. Enfin, même dans les scènes post-génériques, ils sont même pas connectés entre les films et tout. Il y a plus. Et en plus, c'est le dernier de la phase. Ah oui, c'est le dernier de la phase 4, celui-ci. Comment tu termines une phase comme ça? Ouais. Mais parce que dans leur tête, je pense qu'ils se sont dit c'est plus important de rendre hommage à Chadwick Boseman à créer une continuité dans les MCU. Mais tu fais ça juste avec le Marvel au début, là, quand le logo Marvel arrive avec que des Chadwick, le silence de la salle, tout le monde est en train de le ressentir, c'était assez. Ils l'ont fait deux fois. Une fois, c'était assez, mais la deuxième m'a pas non plus dérangé. Oh non, non plus. Mais pas besoin de la fin. Là, en post, en pas besoin de la fin avec elle, en fait. Pas besoin de cette fin qui, quand les chouris sur la plage. C'est en fait, tu rallonges un truc que tu as réussi à faire là tout à l'heure. Fais-nous un truc par rapport au futur. Tu viens encore nous parler du passé. Tu vois, qu'elle brûle le truc, qu'elle se barre, c'est bon. Hein, en mode, c'est bon. Voilà, maintenant c'est le futur. Maintenant, tu repars sur le passé. Et introduire le fils De T'Challa qui nous a fait comme Hulk qui introduit Scar là. Regardez, il y a mon fils là. Ouais, voilà, comme dans She-Hulk, exactement. Mais comme il a dit, lui, de toute façon, quand tu bouffes la fleur et que la première personne que tu vois, c'est Vegeta, c'est sûr que tu veux tuer tout le monde après. Donc, ça, c'est la première chose. Comment par rapport à Killmonger. Et ça, c'est par rapport à Killmonger. Et la deuxième, et là, pour terminer, parce qu'il ne nous reste plus rien, pour terminer, la deuxième, je ne sais plus c'est quoi, et c'est pas grave parce qu'on en a rien à foutre. C'est juste pour vous dire du coup que c'était la critique de Black Panther 2. En règle générale, on a aimé. C'est juste que voilà, pour moi, pour nous, ça part comme dans ce que fait aujourd'hui Marvel, à savoir des choses assez bâclées parce qu'on veut tout mettre en même temps et parce qu'on ne sait pas où on va, on a l'impression. Et je pense que Kevin Feige est mort. Et que c'est vraiment le gars dans She-Hulk, le robot. Ah ouais, je pense qu'il est vraiment mort. Merci tout le monde. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et on se voit à la prochaine. Chetouze.